Ah, une caméra, cool. Hey. C'est ici pour le casting? Oui. Ok. Moi c'est Samy, je suis comédien et puis voilà. Moi c'est Rita, ça fait depuis 5 ans que je tourne sur des scènes de cinéma. Mon père est producteur. Et je suis formée à trop de choses, hein, le trampoline, la danse, le théâtre, le cirque, l'art de rue, tout cela. Tu devrais pas toucher à ça. Et toi, Antoine, t'es pas acteur? Non, en fait, pas du tout. Il y avait juste un casting sauvage et j'ai accepté pour voir comment ça allait donner. Voilà. Samy, Ouais. c'est bon, hein, j'ai booké, hein, Oh. le Jean du Jardin. Ouais. C'est cool, hein? Ouais. Ouais, bon. Allez, merde, hein, pour ce Ouais, matin. Ça va le merci. faire, hein. Merci. Ok? Ok. C'est ta mère? Non, c'est mon agent. Te. Mais vas-y, t'appelles là, hein. Mais non. C'est à toi, ouais. Ok. Alors, Sammy, darling, dis-moi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Samy. Je suis très content d'être ici. Mon agente m'a beaucoup parlé de vous, m'a dit que vous étiez l'avenir du cinéma. Ah, t'es adorable. Là, pour ce film, L'animal sauvage, oui, je cherche un personnage qui aurait cette candeur, cette authenticité, peu importe le sexe, homme, femme, fille, garçon, je ne sais. Voilà, je cherche la candeur. Dis-moi, darling, si tu étais un animal. Je sais pas, un dragon, enfin c'est pas un animal, mais on peut toujours faire un Ah truc. non, 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 mais attends, j'adore, j'adore. Hein? Ouais, go, go, texte avec l'énergie dragon, le feu, la flamme. Vas-y, vas-y, Samy. Ok. Il en faut peu pour être heureux, vraiment. Très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Attends. Là, tu vois, je pense que on veut entendre le dragon en toi. Là, voilà. Là, il faut que tu, Samy, tu sortes le dragon, tu me reprends ce texte. Je veux entendre le dragon, la force, les flammes, le feu. Ok. Moi, Samy, mais j'y crois tellement. Il est tellement incarné, il a un instinct, ce jeune. Gros potentiel. Tu peux arrêter là, s'il te plaît? Oui, pardon, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais de la place en moi pour accueillir le personnage. C'est la méthode américaine, tu connais pas? C'est pour les pros. Maintenant, chut. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Ah, youpi! J'adore, I love it. Antoine, c'est à toi. C'est moi? Ok, merci. C'est pas par là-bas, c'est tout droit. Ici? Oui. Tu es Antoine? Et c'est toi qui n'es pas acteur, c'est ça? Tu viens du casting sauvage? J'adore, j'adore. Voilà, les amateurs ont cette chose authentique, sont des diamants bruts, comme je les appelle. Dis-moi, Antoine, si tu étais un animal, tu serais? Un humain. Non, une hyène, une hyène rieuse. Voilà. Ah, voilà. Là, ça, c'est intéressant. Déroutant, même. Mais voilà, là, il se passe quelque chose. Alors, Antoine, voilà. Dis-moi, cette petite hyène rieuse en toi, qu'est-ce qu'elle a à dire, à me dire, à dire au cinéma, au monde? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Je sais pas, quelle a faim? Quelle a faim? Alors, bah, pourquoi pas? Alors, quelle a faim? Ok, et ben on va se servir de ça. Elle a faim. Vas-y, go, lecture sur ce texte avec la faim, avec cette petite hyène en toi, Antoine, qui te parle et qui s'exprime. Ok. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être Non, heureux. il faut qu'on trouve autre chose. Là, je crois qu'Antoine, il faut qu'on trouve autre chose. Il faut essayer en le chantant, on refait
Il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Je crois qu'elle nous dit ça, la Yann, là. Vas-y, vas-y. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de nature que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Youpi. Voilà, voilà, ça c'est du cinéma. Ouais. Voilà, je crois que Antoine ne donne pas tout pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, il retient quelque chose. Et bah, je pense que c'est super bien parti pour moi, parce que vu les autres, non mais c'est déjà dans la poche en fait. Franchement, il y a. Enfin, pas besoin de passer par quatre chemins, quoi. C'est moi. Come on, darling. Nina, vas-y, fais ton texte. C'est Rita. Nina, Rita, whatever. Go, darling, fais ton texte. Oui, je parle anglais. On y va. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure. Que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Next. Samy, je le sens trop bien. Okay. Ah ouais, il s'est passé un truc avec la Real là. Ah d'accord. Ah ouais, top. Ok. Cool. Toi, mon animal totem, je t'ai cherché jour et nuit dans la jungle. Yo, maintenant, je sais qui tu es. Apparais, s'il te plaît. Je suis prêt à te suivre, à vivre à tes côtés dans la liberté de l'état sauvage. Le deuxième passage, voilà, j'ai fait un petit rap, bon, elle a pas trop kiffé, elle m'a viré. Go. Toi, mon animal totem, je t'ai cherché jour et nuit dans la jungle. Maintenant, je sais qui tu es. Apparais, s'il te plaît. Je suis prête à te suivre, à vivre à tes côtés, dans la liberté de l'état sauvage. Next. Nina, je sais pas, et en même temps, son père est en producteur. Ça, c'est intéressant, parce que le film cherche encore des financements, et voilà, ça peut être un atout. C'est Rita, maman, c'est Rita. Go, Sam. Toi, mon animal totem. Je t'ai cherché jour et nuit dans la jungle. Maintenant, je sais qui tu es. Apparais, s'il te plaît. Je suis prêt à te suivre, à vivre à tes côtés dans la liberté de l'état sauvage. Longue pause. Je quitte la... Je peux refaire parce que je sais si la didascalie... Bien sûr, Non, mais j'adore ta candeur, Samy, j'adore. Non, mais je savais qu'il fallait pas dire didascalie, mais... Enfin, ça m'énerve, j'ai pas fait exprès. Bref. Ok. C'est super. Apparais, s'il te plaît. Je suis prêt à te suivre. À vivre à tes côtés dans la liberté de l'état sauvage. Longue pause, je... Merde ! Putain. Mais c'est pas grave. Là, on s'en fiche du texte, on s'en fout. Là, maintenant, ce qui est important, c'est la connexion à l'animal totem. Il est là, à tes pieds. Il est là, on se connecte à lui, on rentre en contact. Vas-y, Samy, connexion. Ah. Oui, connexion. Voilà, on rentre, regarde-le. Touche-le, tu t'imprègnes, il est là. Super, j'adore. I love it. Du coup, j'ai le rôle ? Ah, vous me l'annoncez ? C'est cool. Ok. J'ai pas le rôle, sérieux. Non mais, ça va pas se passer comme ça en fait. Non mais, c'est cool, j'ai une petite idée. Là. Oui, bonjour, allô ? Donc là, tu te connectes, Samy, à ton animal totem, à son énergie cosmique qui t'imprègne, qui rentre en toi. Bonjour, c'est le livreur. Qu'est-ce que c'est ? Un burger pour Samy. Hein ? Merci. Au revoir. Attendez, là, je comprends pas. Un burger, elle est où, Anne ? Anne ? Oui ? En fait, c'était une des conditions. Il doit être végétarien. Moi, je travaille pas avec des non-végétariens, en fait. Non, mais il est végétarien.
Tu manges de la viande. Non, mais toi, tu manges de la viande. Tu fais 15 jours, c'est pas beaucoup. Quoi? Mais c'est pas rien, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mange de la viande, là. Merde! Chille, là, toi aussi, là. Non, stop, stop. Non, mais t'es con, quoi, là? Il a pas le rôle. Il a pas le rôle parce qu'il a mangé un burger, quoi. C'est notre envie. Il n'est pas végétarien, quoi. Samy n'est pas végétarien. Moi, je ne travaille qu'avec des végétariens. Je ne travaille pas avec des barbares mangeurs de cadavres. Non, 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 non. C'est trop pour moi. Je ne peux pas. Voilà, c'est ma limite. Je suis très ouverte, hyper ouverte. Ça, non. Allô, papa ? Oui, j'ai mon rôle.